Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Cédric de 17 à 18 en parlant du 19. Aujourd'hui, on va parler distribution digitale avec Florian Dubreuil de Couronneco, 52e invité. En attendant, je vous rappelle un peu les règles du jeu. Donc ici, dessous, vous avez la section commentaires dans laquelle vous pouvez retrouver donc toutes les infos que je vais vous donner. Je vais vous donner notamment le lien vers la playlist YouTube dans laquelle vous retrouverez toutes les émissions qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, qui sont disponibles en replay. Vous pouvez les trouver aussi sur Facebook, mais sur YouTube, l'avantage, c'est que c'est bien classé. Vous pouvez également poser vos questions, c'est l'intérêt du live, évidemment. Donc, voilà, que dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Merci pour tous vos commentaires et messages aussi, ça fait plaisir. Et comme ça fait plaisir, je vous propose de retrouver tout de suite donc Florian Dubreuil de Couronneco Média. Salut Florian, tu vas bien? Salut Cédric, salut, ça va bien toi? Ouais, ça va, merci. Ben écoute, c'est l'été, hein, ça y est, hein, on est en C'est maillot de l'été, bain. c'est l'été. Voilà, c'est l'été, c'est l'été. Donc Florian, alors c'était un peu réducteur comme terme, on t'a appelé responsable production, mais tu fais partie des employés historiques de Couronneco. Donc Couronneco Média, on va mettre un petit lien pour que vous alliez sur le site. Il y a une page Facebook aussi, hein, n'hésitez pas, Responsable Couronneco. distribution, hein. Je suis Qu'est-ce pas que j'ai dit? responsable de la production. Ouais, Ah responsable oui, non mais production. Ça, laisse-toi. ouais. Distribution. Non, j'ai fumé. Distribution, oui, parce qu'en fait, je voulais dire que vous faites aussi de la production, notamment de vinyle. Donc, vous faites aussi, vous avez des Exactement. usines dans les pays de Exactement. l'Est. Donc, tu es un peu responsable de production aussi, Ouais, si aussi. alors je laisse faire ça à d'autres personnes, mais effectivement, on a une grosse, grosse activité de fabricant de vinyle, de CD et de merch aussi au final. Ouais. Donc, ouais, tout à fait. Parce que le physique n'est pas mort, n'oubliez pas, parce qu'à chaque fois on me Non, dit, pas du ouais, tout. mais le physique, le physique, le physique. On y revient, on n'est jamais parti d'ailleurs, c'est un bel objet, notamment le merchandising. Alors évidemment, la galette CD recto avec la pochette cartonnée recto verso, évidemment, moi je dirais abandonné, mais tout ce qui est digisleeves, tout ce qui est beau vinyle, beaux objets, et puis c'est vrai, Ouais, merchandising aussi. le physique d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le physique d'il y a 15 ans, mais il est super important, il est beaucoup plus valorisant, valorisé. C'est pas un simple média pour écouter de la musique, c'est un objet qu'on va garder, qu'on va aimer, qu'on va apprécier à exposer dans sa bibliothèque, etc. C'est vraiment une façon différente d'appréhender le physique. C'est vrai qu'on devrait trouver d'ailleurs un nouveau terme, je trouve, pour le physique, parce que c'est vrai qu'il y a le physique à papa et puis il y a le physique d'aujourd'hui. Et c'est vrai que Oui, bien à sûr. une époque, on achetait des CD boîtier cristal dégueulasse avec une. Bon, ça dit, il y avait au moins un livret, hein, Ouais. ce qu'il y a de moins en moins, mais bon, c'était quand même un peu les Ouais, et puis rééditions, il y notamment avait même CD. les singles, les pochettes singles, je sais pas si tu te rappelles, mais jusqu'à 2009, je crois, il y avait encore des pochettes singles où t'achetais ton titre et il y avait la face B. Ça Ouais. n'existe plus du tout, hein, ça fait déjà plus de 10 ans. Mais ouais, le physique est passé par plein d'étapes différentes et aujourd'hui c'est le vinyle qui est de retour, même si le CD est super important évidemment, mais le vinyle apporte un renouveau et un souffle de fraîcheur sur là-dessus, quoi. Est-ce que tu as connu le mini CD de titre? Non, ça j'ai pas connu par contre. Ah, t'es C'est pas assez jeune. T'es pas assez vieux, je veux dire. Non, toi, en fait, le mini CD de titre, donc à la Fnac, merci Florian de me rappeler que c'est moi qui suis concerné. je vous en Et en prie. fait, le mini CD, en fait, c'était mais vraiment, tu vois, un tout petit CD. Et c'est pour ça que Ouais. d'ailleurs, sur les platines CD, les anciennes, tu vois un petit rond au milieu, tu sais, tu as un petit Ah, il y a creux au milieu. l'adaptateur. Ouais, ok. Ouais, et en fait, on achetait un adaptateur aussi, mais on n'était pas obligé de le mettre parce que certains, il y avait déjà l'adaptateur. Et en fait, pour économiser de la matière, c'était écolo, hein, c'est-à-dire c'était un mini Ah bah CD ouais, au de titre. final. Voilà, ça coûtait, je crois, D'accord. 10 francs ou un truc comme ça. Et en fait, on était content. On avait vraiment Ok. juste la matière parce que, évidemment, le CD, il fait, je crois, 74 minutes, mais si tu graves tout, enfin, Ouais, si tu graves juste ouais. deux titres, évidemment, Bien donc, sûr, ouais, carrément. Évidemment. j'ai Ok, connu le bah mini dis disque donc, tu aussi, voilà, le mini disque aussi, voilà, les albums en Il y a la mini disque. cassette qui fait un peu son retour aussi, mine de Alors, c'est rien. vrai ou c'est pas vrai du coup? Est-ce que Si, c'est quoi le cas? c'est vrai, ouais. Alors après, c'est, en fait, tu vois, c'est comme au retour du vinyle, on disait, ah ben non, c'est pas vrai le vinyle et tout. Si, il y a un vrai retour. Et sur la cassette, évidemment, on est sur des échelles totalement différentes et c'est pas demain que la Fnac fera des, tu vois, des descentes de cassettes. Mais dans le, tu vois, dans le milieu underground, etc., il y a une vraie demande, notamment sur le rock, tu vois. J'ai vu Pas du tout. Björk aussi qui a fait une réédition, je crois, de tous ses albums en cassette, Ah bah tu vois, voilà. ce qui est chez Believe, si ma mémoire est bonne. Et en fait, oui, ce Elle que je l'était en tout voulais, cas avant. ouais, elle était, ouais. Et en tout Ouais, cas, je suis sûr. ce que je voulais voir justement sur la cassette, effectivement, est-ce que c'est un peu comme le vinyle? C'est que j'avais vu des stats qui disaient que je crois qu'il y a un vinyle sur deux qui n'est jamais ouvert. Alors ça,
Les voix du vinyle sont assez impénétrables à ce sujet, c'est-à-dire Ouais. que c'est très difficile de savoir réellement si les gens l'écoutent ou l'écoutent pas. Au final, c'est évidemment c'est un objet de musique, etc. Mais c'est aussi un objet d'appartenance. Le vinyle, c'est le fait de vouloir posséder quelque chose qui représente un artiste ou même un événement. Ça peut être le souvenir d'un concert, ça peut être plein de choses. Au final, aux yeux de l'industrie, en tout cas, le client, enfin la personne qui achète un vinyle, qui l'achète, voilà, qui va être fier de l'avoir et qui à côté va écouter sur Deezer, sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme de streaming le titre, ben c'est tout bénef en fait, parce que il va à la fois générer un achat et une appartenance et en même temps, eh ben il va continuer à générer des streams et à faire tourner finalement le catalogue de l'artiste même après l'achat quoi. Donc Et ça. moi ça me pose aucun souci que les mecs n'écoutent pas spécialement les vinyles s'ils sont fiers de les acheter et de les posséder quoi. Si tu es fier d'être un vinyle, tape dans tes mains. Voilà, exactement. Et en fait, non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a ce mode de consommation. Je crois qu'aussi, de toute façon, dans le merchandising, il y a des déclinaisons, hein. Il y a la vinyle avec le CD et le code de téléchargement. Il y a des Oui, il y a plein déclinaisons, de hein. techniques. Bien Ouais, il y a sûr, bien sûr. plein de Le déclinaisons. ouais, bien sûr. Le vinyle aujourd'hui. Alors, je pense que par contre, réellement, ce phénomène dont tu parles, des gens qui n'écoutaient pas les vinyles, etc., c'est quelque chose qui aussi évolue. C'était certainement très vrai il y a quelques années, ça l'est quand même moins aujourd'hui, parce que on peut voir chaque année les ventes de platine augmenter, augmenter. On voit des constructeurs relancer des machines de platine qui n'existent plus, etc., créer des nouveaux modèles. Donc il y a vraiment un retour. Enfin, les gens écoutent réellement leur vinyle, même si on écoute beaucoup plus difficilement un vinyle que ce qu'on écoute un stream, quoi, ce qu'on fait un stream. Mais par contre, c'est peut-être une écoute qui a plus de valeur, on va plus s'en souvenir, etc. C'est vraiment deux systèmes de consommation différents et qui peuvent tout à fait coexister et même être complémentaires. Alors, Couronne Echo, du coup, alors qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'est-ce qu'un distributeur digital et qui est Couronne Echo dans la cour des distributeurs digitaux? Alors ouais, ben Couronne Echo, c'est un distributeur digital, mais c'est aussi de façon plus large, un label service. Un label service, pourquoi? Parce que on va à la fois apporter des services de distribution numérique, mais aussi physique. On va avoir une usine de fabrication, ce qui est une spécificité. On est le seul distributeur en Europe à avoir ça en interne. Puis on va apporter de l'aide au label via différents services administratifs, via une agence de marketing sonore en interne qui nous permet de travailler avec des grandes marques comme Canal, Netflix, etc., pour lesquelles on va définir des projets spécifiques de compilation, de sonorisation de lieux, d'événements particuliers. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment une activité de maison de disques complète. On s'est même lancé depuis cette année dans nos propres labels. Donc, on est producteur de plusieurs de nos sorties. On a commencé par la niche avec des musiques électroniques via nos labels Chat Noir Records, Griffé et Chat Noir Tool. Et puis, on arrive très rapidement avec des sorties plus grand public, etc., qui vont arriver certainement début d'année prochaine. Et alors la question souvent c'est vous vous adressez à qui du coup uniquement à des labels qui cherchent une distribution, des petits labels ou aussi à des artistes en direct? Alors nous, on est un distributeur qui est assez jeune, hein. On existe depuis 4 ans et demi, 5 ans à peu près. On a commencé avec des catalogues qui étaient plus modestes et puis on a monté, monté, monté. Aujourd'hui, on s'adresse finalement à plein de types de labels différents. On a à peu près 500 labels en distribution aujourd'hui, qui vont vraiment du gros label avec plusieurs employés jusqu'à finalement, il nous arrive de signer des artistes, même émergents directement, si on pense qu'il y a un véritable potentiel, qu'il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, on met un point d'honneur à essayer de défendre justement une musique indépendante et une musique qui est en développement et qui a besoin du coup d'avoir un véritable accompagnement dès le début, avec des gens qui sont des professionnels et qui vont pouvoir permettre au projet d'éclore plus facilement. Alors, le distributeur, c'est pas un petit mot, hein. D'ailleurs, Ouais. à distinguer de l'agrégateur, on en avait déjà parlé. Exactement, ouais, on a Donc, déjà eu l'occasion d'en effectivement, parler. voilà, on a déjà eu la petite discussion. On avait déjà fait, d'ailleurs, si vous voulez retrouver, on avait fait une petite émission sur Radio Campus avec notamment TuneCore. Et C'était, je vive, je crois, crois. c'était Mathieu à l'époque, Mathieu Rousselot, qu'on salue, qui est chez Google maintenant, oh, le coquin. Et avec, je crois, Quentin Gauvin, hein, non, je crois que c'était Quentin qui était là. Il Non, a liké tout à l'heure, je c'était crois. Mercier, je crois. Jean-Christophe Mercier, je crois. Et il y avait Je... Vincent. Ah oui, Vincent Vincent Lebovitz, Lebovitz, ouais, peut-être exactement. de effectivement De de Nowadays, du voilà label exactement. Nowadays.
De Effectivement. mémoire, je crois Donc, que c'était on en ça. avait parlé, effectivement. Donc, bon, tout ça pour dire que la différence entre agrégateur et distributeur, c'est que l'agrégateur, bon, c'est type TuneCore et bien d'autres, SpinUp, etc. Mais c'est Exactement. la mise en ligne uniquement, on va dire, même s'il y a des services qui sont proposés, mais de vos Oui. titres sur une plateforme. Donc, en fait, c'est le tuyau, on remplit le tuyau et puis on le fait arriver de l'artiste jusqu'à la plateforme Spotify, Deezer, etc. C'est Le exactement distributeur, ça. en revanche, tu peux nous expliquer quand même la grosse différence? Bah, ouais, voilà, pour faire très très simple et court, un agrégateur, c'est un logisticien, en fait, tout simplement. Pour faire simple, c'est un logiciel qui va prendre vos sorties, qui va les mettre en ligne. Et en général, le fonctionnement, c'est qu'on paye soit un tout petit peu de distribution, mais la plupart du temps, c'est quand même qu'on paye à l'achat. C'est-à-dire qu'on paye pour être mis en ligne et puis on repaye tous les ans, en général, un abonnement. Voilà, le service en général se limite à ça. Après, il y a 1 million de business plans différents qui existent, mais c'est ça la base. Ensuite, un distributeur, lui, par contre, il va réellement accompagner les artistes. Il va y avoir des équipes humaines qui vont discuter avec les artistes et les labels, etc. On va essayer de trouver des stratégies. On va défendre les produits, enfin les sorties sur les plateformes pour obtenir justement les fameuses playlists ou obtenir des mises en avant éditoriales sur les plateformes de téléchargement, etc. Il va y avoir un accompagnement bien supérieur et qui peut aller d'ailleurs au-delà de la distribution uniquement numérique, qui va justement apporter des services souvent de distribution physique, de fabrication, de gestion de e-boutique aussi, qui est un truc super important, la vente en direct aux fans qui se développe énormément. Voilà, ça va vraiment aller plus loin. Et Effectivement, non. on fonctionne sur des taux de distribution du coup, c'est-à-dire qu'on va se rémunérer uniquement sur les revenus générés et pas sur un paiement. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on repère la différence. Effectivement, généralement, l'agrégateur vous demande une somme forfaitaire annuelle. Hein, moi, j'ai connu, tu vois, j'ai connu le mini CD de titres. J'ai connu aussi Zimbalab, racheté par Oui. TuneCore, où on payait à Bien vie. sûr. Et maintenant, bah, la vie, c'est fini. Et donc, Ouais, maintenant c'est tous les ans. effectivement, Ouais. voilà. Et puis, 100% de vos royautés. Donc, vous allez me dire, c'est super, on récupère tout. Mais s'il n'y a pas de travail de distribution qui est fait, il vaut mieux C'est ça, récupérer en exactement. général 70% de ces royautés, ne pas payer de fee et puis de se retrouver avec un travail. Parce qu'en fait, ce qu'on avait bien expliqué aussi, c'est qu'aujourd'hui, la chose la plus recherchée, c'est les playlists. En tout cas, moi, j'appellerais ça Bien des sûr. programmateurs, en fait, de streaming, puisque c'est même, il y a des anciennes chez Energy qui sont chez Deezer, etc. Bah Donc, ouais, exactement. en tous les cas, c'est le rôle du distributeur digital, hein, normalement. Bah ouais, c'est exactement ça. Le rôle du, enfin, c'est un des nombreux rôles du Oui, distributeur. mais en tout cas, il n'y a pas Ouais. d'attaché de presse qui soit spécialisé. Enfin, moi, Alors j'ai cherché, il y en a qui ouais. connaissent, mais voilà, il y a des Alors attachés de ouais, presse qui les contactent, mais. exactement, le travail du distributeur, c'est réellement justement d'avoir une relation avec ses plateformes. Que ce soit, tu vois, c'est comme en physique, le mec qui va discuter avec le disquaire, la Fnac, tu vois, et ben c'est exactement pareil en numérique. On va aller voir l'édito, ce qu'on appelle, tu vois, les éditos, qui vont eux être responsables des playlists. Et c'est une mise en avant dans une playlist. Et ça, c'est vraiment un des travaux importants du distributeur. Après, il y a des gens, des attachés de presse, qui vont avoir des connaissances, qui vont tisser des relations particulières avec certains éditos et qui vont du coup proposer ce service. Mais c'est pas leur travail, c'est pas leur cœur de métier. C'est vraiment quelque chose qu'ils font en plus. Comme toi, tu pourrais connaître, je sais pas, tu vois, Gilles de chez Deezer, lui envoyer un petit mail parce que tu le connais et ça, tu vois, c'est ça, quoi. Ça reste des humains finalement, les éditos pour l'instant. Parce qu'on va voir comment ça évolue, mais il y a beaucoup d'algorithmes aujourd'hui, mais voilà, mais c'est ça le truc. Alors oui, Rachel, Deezer, en général, vous voyez leur prénom dans les playlists un peu à la mode sur Deezer, vous voyez le prénom. Après, évidemment, il est toujours possible de les contacter en direct, mais c'est toujours pareil. C'est un peu comme les médias avec les attachés de presse. C'est vrai qu'on a interrogé 4-5 attachés de presse. On se rend bien compte que, en fonction de la personne qui passe le titre, il est plus ou moins écouté, évidemment, même si on a quand même, notamment sur Spotify for Artists, la fonction pitch, qui permet donc Bien quand on a une sûr. sortie de pitcher, mais bon, ça reste alors le bain est un peu moins grand, mais ça reste quand même un bain bien large, quoi. C'est ça, c'est une évolution hein, du marché, tout ça. C'est des trucs, ce type, tu vois, de choses comme Spotify for Artists, c'est super parce que ça permet effectivement d'avoir des catalogues plus propres, plus faciles, d'avoir aussi, de donner accès à des tout petits artistes à finalement la possibilité d'avoir un catalogue plus net, de tenter quand même d'être mis en playlist. Après, il y a une limite énorme et en réalité, la personne qui obtient une playlist importante, l'artiste inconnu qui met une playlist importante, en passant par Spotify for Artists, c'est quand même un petit peu un mythe, quoi. C'est Ouais, d'ailleurs, souvent qu'il s'est passé quelque chose derrière.
Si ça vous est arrivé, venez témoigner, j'ai envie de dire. Voilà, Mais exactement. généralement, le témoignage, on l'attend encore, ouais. Ouais, voilà, malheureusement. Par contre, c'est vraiment un système qui est utilisé même par les distributeurs Spotify for Artists pour justement pitcher nous-mêmes. Voilà, on passe par ça, puis ensuite on a d'autres systèmes un petit peu détournés pour contacter Spotify. Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est un truc super important aujourd'hui. Bah, c'est vrai qu'il Surtout faudrait après pas les. oublier que, ouais, faudrait pas oublier que tout ça reste quand même assez à l'ancienne, même si c'est digital, c'est à l'ère magique, etc. Ça reste des relations humaines, ça reste des Exactement. propositions, du bouche à oreille, etc., etc. Et c'est vrai que y a pas trop de magie. Les playlists, c'est pas non plus le nouveau Graal et le nouvel Oasis. Il faut quand même être recommandé. Et puis, comme tu dis, malheureusement ou heureusement, l'intelligence artificielle qui permet effectivement les algorithmes de faire remonter des titres en fonction de leur nombre d'écoutes et de leur viralité entre Exactement. guillemets. Ouais, Et ça, bien c'est un sûr. peu redoutable quand même, quoi. Bien sûr, parce que même quand. Alors, il y a effectivement l'intégration qui peut se faire avec un algorithme, etc. Il y a tout ce qu'on appelle les radars, les radios des artistes et tout. Et puis, il y a tout simplement le fait que même si un humain, un édito va placer ton titre dans une playlist, et ben derrière, il y a aussi un logiciel, un algorithme qui va lui dire, oh là là, ce titre, il n'est pas bien écouté. Il y a un taux de rétention qui est très bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer le titre et du coup, moins de gens qui vont rester potentiellement sur les autres titres de la playlist, donc moins de streams potentiels. Donc en général, le logiciel va faire que tu vas quitter la playlist très rapidement si ton titre il n'est pas au bon endroit, quoi. Ce qui est horrible, c'est Voilà. à la radio, à la limite, il y a des calls aussi, des call-outs qui sont faits et qui permettent de tester des titres, mais c'est loin d'être en temps réel, quoi. Alors que là, on est vraiment Oui. à la seconde près, quoi. Donc, tu peux évoluer dans une playlist à une vitesse grand V, quoi. Exactement. Et puis quelqu'un peut voir une playlist et une autre personne, la même playlist peut l'avoir avec d'autres titres. C'est-à-dire que même les playlists qui ont été faites par des humains, qui sont éditorialisées de façon humaine, et ben, elles sont en partie algorithmées. C'est-à-dire que, par exemple, on voit une playlist de 100 titres, et ben, en fait, il y a 50 titres qui vont être obligatoirement sur la playlist, puis il y a 50 titres, les autres vont peut-être bouger, ça va pas être les mêmes, etc. Donc, ouais, tout est possible, c'est vraiment des nouvelles façons de faire, et c'est des choses qui évoluent d'ailleurs toutes les semaines, hein. Vraiment, c'est extrêmement important de se tenir à la page, et c'est pour ça aussi que le distributeur est important, parce qu'il fait ça, il a la tête dans le guidon, il fait ça toute la journée. C'est pas le cas toujours d'un label nécessairement. Est-ce que le distributeur digital, il gère aussi les chaînes YouTube notamment? Ouais, bien sûr. Même YouTube, en fait, YouTube aujourd'hui, c'est devenu une plateforme hybride où il y a YouTube Music et YouTube. Les deux, en fait, sont collés. C'est une sorte de même tuyau qui va amener à deux choses un petit peu différentes. Mais aujourd'hui, ouais, tout ce qu'on livre en audio sur YouTube, on le livre de la même façon en vidéo sur YouTube, en fait. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. YouTube fait vraiment tout à fait partie on va dire, du champ de métier du distributeur. Alors, ne pas être sur YouTube, moi je dis que toujours c'est une grosse erreur parce que c'est le premier moteur de recherche musical. Les Ouais. gens Et écoutent la c'est le musique deuxième moteur de sur recherche au YouTube. monde. Voilà, en plus, bah, sur Google, hein, ça dit, donc Ouais. voilà. Donc c'est l'écosystème Google, donc ou Alphabet, je sais plus comment dire. Mais en tous les cas, Ouais. voilà, c'est un écosystème et c'est vrai que du coup, c'est vertueux. Je vois même, par exemple, pour petit exemple, tu vois, cette vidéo qu'on est en train de faire, elle est déjà Ouais. référencée par Google. Elle est déjà Voilà. référencée depuis ce matin. Tu tapes ton nom, tu tombes dans les résultats vidéo Google. Donc évidemment, si vous respectez l'écosystème, bah, vous êtes mis en avant. Il y a le truc un peu chiant, Exactement. moi je trouve toujours, c'est en fait, je sais plus comment ça s'appelle quand YouTube te crée une vidéo, pas avec juste la pochette, tu sais, une espèce Ouais, de, c'est un, ouais, c'est les chaînes topiques. Ouais, ouais, c'est alors ça, ça, ouais. et ben c'est ce que je te disais, tu vois, quand on livre un audio, et alors le problème de ça, c'est qu'il y a que YouTube qui fait ça. Donc c'est difficile par rapport aux autres plateformes, de respecter des chartes, etc. Donc effectivement, il peut se passer qu'il y a des doublons qui se passent. Ouais. Il y a plein de choses possibles. Alors, il y a des façons de corriger ces problèmes. Voilà. Mais quand tu es un petit artiste, waouh, pour les corriger, il faut vraiment que ton distributeur prenne beaucoup de temps et que YouTube accepte la modification. Toute façon, Donc c'est ce qui revient tout ouais. le temps. C'est ce qui revient tout le temps sur par rapport aux agrégateurs, voilà, même si c'est un très bon produit d'appel, on va dire, comme l'association finalement est un très bon produit d'appel avant de monter une société, mais en Oui, tous les voilà, cas, effectivement. mais c'est vrai que dès que tu as un problème avec un agrégateur, c'est un peu la fin du monde, quoi. Et ouais, il y a le support qui est très. Tu vois, on parle beaucoup effectivement du travail de promotion commerciale des ventes, c'est-à-dire l'intégration dans les playlists, etc. Mais le support en lui-même est quelque chose d'extrêmement important, qui est une vraie valeur ajoutée au distributeur, qui fait que quand tu as un souci, quel qu'il soit,
eh ben, il y a quelqu'un qui va te répondre pour dire oui, ben, je vais m'occuper de ton problème. Et ça, c'est vraiment extrêmement important et c'est quelque chose qui te permet de passer des caps en termes de d'artiste. Ça permet effectivement d'avoir un interlocuteur que tu n'auras pas forcément, voire pas tout simplement, voire en France en plus pour un Oui, agrégateur, quoi. voilà, c'est ça. Exactement. Quelqu'un qui peut échanger dans ta langue, que tu peux d'ailleurs rencontrer physiquement aussi, c'est quand même des choses importantes. Quand le distributeur peut avoir des relations très poussées avec le label, donc c'est vraiment important qu'il y ait cette relation humaine, je pense, au cœur de tout ça. On a un petit coucou. Salut Robin. Lucas, il a mis un cœur, peut-être que tu le connais du coup, Ah. comme j'arrive pas à voir son nom de Ouais, famille, je MDJR. le connais, Bon. c'est Medjani, le MDJ. Ah, le coquin, il se cache. C'est un coquin. Et Jeff qui nous pose la question, vous voulez dire qu'un titre en playlist dépend aussi du stream des autres? Je n'ai pas exactement compris la J'ai pas question. trop compris, Jeff, non plus. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Faut reposer, s'il te plaît. Je Détaille pense un peu qu'il plus. peut-être qu'il veut dire que le succès d'un artiste ou d'un titre de l'artiste peut dépendre du coup du succès des titres à venir. Et effectivement, quand on pousse nous une sortie, les plateformes ont vraiment une vision globale sur ce que l'artiste fait sur leur plateforme. Donc, par exemple, un artiste qui a déjà eu du succès avant, qui a des titres qui ont déjà été playlistés, etc., va avoir des portes bien plus ouvertes pour passer à nouveau dans des playlists qu'un artiste qui arrive et qui a peut-être sorti un titre qui n'a pas fait de succès avant ou qui arrive vraiment sans rien, quoi. Donc, oui, c'est vraiment un truc global où il faut penser à des vraies stratégies qui permettent de développer sur le temps la possibilité d'intégrer des playlists ou d'avoir des mises en avant. Sur la distribution physique, du coup, comme on disait, le physique aujourd'hui, c'est plus le physique à papa. La distribution physique d'aujourd'hui, c'est quoi en fait? C'est une distribution qui est beaucoup plus ciblée. Ouais, Alors, c'est. la distribution à papa, elle existe. Hein, elle existe, c'est les majors qui la font, les majors ou les majorettes. Ce que j'appelle les majorettes, c'est des Wagram, c'est des Piast, c'est des Bicos, c'est-à-dire Because. des grands labels indés. Ouais. Et du coup, cette distribution à papa, où on va mettre en place des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de disques, où on fait un mitraillage, on va être partout en rayon. Ça existe toujours, mais ça n'a plus aucun sens pour un indépendant aujourd'hui. Ça n'a de sens qu'à partir d'un niveau de développement qui est vraiment assez élevé, quoi. Sinon, tout simplement, c'est tout simple, hein. On va prendre un artiste qui a une capacité de vente, qui a quelques dizaines de milliers d'abonnés, et puis on va en placer des dizaines de milliers d'albums en rayon. Ce qui va se passer, c'est que la Fnac, elle va peut-être les mettre en rayon, mais elle va pas les vendre, en fait. Donc, tout simplement, sachant que la Fnac aujourd'hui ne paye plus qu'au passage en caisse, on est passé sur un système de dépôt total où avant on envoyait les disques, on était payé, puis il y avait potentiellement des retours. Maintenant, on est même payé que si le client définitif achète. Donc, voilà, donc ça limite aussi les quantités qu'on envoie, évidemment, pour C'est respecter vraiment une le prise de risque. dépôt-vente, quoi, ouais. Ouais, voilà, on est totalement on a une prise de risque minime. Et du coup, effectivement. Voilà, effectivement, ça fait repenser tout ça. Donc, il vaut mieux aujourd'hui sur une distrib physique faire du ciblé, c'est-à-dire notamment si on fait du vinyle, viser les disquaires indépendants, viser quand on est un indé évidemment, hein, viser les disquaires indés dans le monde entier, parce qu'au final, la musique a beaucoup moins de frontières aussi hein, qu'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on sort un disque, de toute façon, on le sort dans le monde entier, à part cas exceptionnel, via le numérique, via toutes ces plateformes, on le sort dans le monde entier. Et le physique s'est aussi internationalisé de cette façon parce que avant les disques en fait pouvaient ne jamais sortir dans un pays. Aujourd'hui, ils ont une existence au minimum numérique dans les pays et du coup avec le développement justement de la vente en direct, etc. Les gens peuvent se procurer les disques beaucoup plus facilement en physique. Donc voilà, il y a ce côté vraiment disquaire indépendant. La Fnac, les grandes enseignes qui restent évidemment infiniment importantes, mais elles ont appris aujourd'hui à travailler sur des quantités aussi inférieures, etc. Et puis la vente en physique, qui est la vente en direct aux consommateurs via une e-boutique, via des plateformes comme Bandcamp, comme Dify, comme voilà, il en existe pas mal, qui se développent particulièrement parce que les gens ont vraiment le sentiment de soutenir un artiste, de soutenir un label et sans passer par un intermédiaire. Effectivement, on peut parler de nos amis de chez, je vais les retrouver, DeFi Music, évidemment, Ouais.
qui ont cette politique de. Bah, c'est généralement, de toute façon, un modèle. Bon, je crois qu'ils sont assez leaders hein, sur la partie merchandising, hein, mais c'est vrai que c'est souvent un partenaire que je conseille parce que c'est vrai qu'ils ont. Ils ont ces, voilà, je peux vous montrer un exemple de store. C'est effectivement. Et faut pas s'imaginer que c'est toujours réservé à Indochine. Cure et compagnie, c'est vrai que on peut faire des boutiques de merch pour très peu d'articles. Maintenant, en plus, je crois qu'on peut avoir, on peut, les systèmes, c'est à la demande. Hein, on n'est plus obligé d'avoir des stocks de 100 t-shirts ou autres. Ça peut être. Ça existe aussi, ouais, bien sûr, le merchandising. Ouais, bien sûr, mais il y a le système de précommande qui est très important aussi sur ce type de boutique. Diffy, c'est aussi un partenaire de Couroneco. Justement, on propose des solutions avec Diffy comme. Diffy aussi un partenariat avec Universal pour la création des boutiques pour des artistes justement. Ah oui, la preuve, Elie de Preto et Rue Sauvage. Voilà, tout ça, c'est un accord avec Universal et donc il y a des très très beaux projets qui passent par cette plateforme. Après, il y a aussi Bandcamp qui est vraiment à un niveau peut-être plus international qui est peut-être aussi plus dans des musiques indépendantes, qui est très très important et qui permet à des labels, des collectifs de vendre en faisant une marge confortable, quoi. Voilà, c'est à la demande. Hein. On peut faire de la fabrication à la demande. Alors évidemment, plus c'est à la demande, plus c'est cher, je dirais, mais ça évite effectivement, si on veut tester des produits ou autres, ça permet d'avoir déjà des ventes sans avoir à acheter des locaux. Trésorerie, etc. Voilà, bien sûr. Ouais. Trésorerie, bien sûr. Et aussi, il y a quand même, ce que je cite aussi, c'est pour le crowdfunding de Vinyl. Je ne sais pas d'ailleurs si vous travaillez avec eux, mais c'est... Oh merde, c'est moche de Diggers ça. Factory. Voilà, Diggers, merci. Diggers Factory. Ouais, ouais, qui sont effectivement des. C'est une plateforme assez intéressante sur laquelle on peut faire du crowdfunding, mais uniquement, alors à la manière de KissKissBankBank, mais uniquement pour le vinyle. Et l'intéressant, c'est qu'il y a une gestion aussi de la logistique, quoi. Et notamment avec les vinyles, ça peut être vite très chiant, hein, la logistique, parce que c'est. Ah ouais, c'est une logistique particulière, avec des cartons particuliers, les frais d'envoi qui peuvent s'envoler, etc. Ouais, Diggers Factory, c'est une solution très intéressante, justement, pour des artistes aussi en développement, etc. On a travaillé avec eux parce qu'ils sont des grossistes, ce qu'on appelle des grossistes de vinyle ou des brokers dans le jargon un peu. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des usines qui vont fabriquer pour eux. Ils sont intermédiaires d'usines. Donc, et on a déjà travaillé de nombreuses fois avec eux sur beaucoup de projets et on sera très certainement amené à retravailler ensemble à l'avenir. Ouais, c'est tout ça, c'est des bons systèmes parce qu'effectivement, moi j'avais calculé à moins de 1500 balles de cash, ça fait à peu près 3 euros le vinyle, t'en imprimes 500. C'est ce que j'ai fait à peu près 500 à 3 euros, mais il faut avoir 1500 balles, sinon la moindre quantité, c'est pas intéressant quoi. Disons qu'à moins de 500 vinyles, c'est pas intéressant quoi. Ouais, à moins de 300 vinyles en fait. Enfin, en gros, 300, tout est possible. Ouais, 300 pour 5 euros, ouais, parce que le prix que tu dis, ouais, c'est plutôt ça. Mais en gros, ouais, voilà. Exactement. Donc, il y a des vraies échelles des économies d'échelle qui sont super importantes dans le vinyle. Nous, on a fait un choix, c'est de pouvoir, de permettre aux gens de fabriquer des vinyles à des quantités très, très basses. On commence à 100 exemplaires et on peut exceptionnellement même faire moins. Alors, effectivement, l'économie d'échelle, elle est basse. Ton vinyle, il va te coûter cher. Mais si ton vinyle, finalement, tu veux faire une édition très limitée, belle, avec une valeur ajoutée sur une pochette, etc., bah, en final, ton vinyle, tu vas peut-être le toucher 10 balles sur 100 exemplaires, mais tu peux le vendre peut-être 30, quoi. Donc, même ça, là, tu fais une marge vraiment importante. Donc, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là sur la fabrication vinyle et tout. Après, c'est difficile de donner vraiment des prix pour le vinyle parce que, tu vois, nous, on travaille avec des artistes de musique électronique qui vont faire des vinyles extrêmement peu chers à l'unité puisqu'on va partir sur des disco bags. Parfois, c'est des pochettes avec un trou, on voit que le macaron qui vient finalement créer l'illustration du label, enfin du vinyle. Ouais. Et puis tu vas avoir, tu vas même avoir parfois des disques avec un macaron blanc où les mecs viennent tamponner. Donc en fait, il y a plein d'économies possibles. Après, quand toi tu parles du vinyle, je pense que tu parles du vinyle simple, dos carré 3 mm. Oui. Voilà. Mais finalement, un vinyle, c'est justement, comme on disait, c'est un bel objet. Et il y a 1000 façons de faire des vinyles et il y a 1000 options possibles. C'est aussi ça le plaisir du physique, c'est que ton objet ne se limite pas à une vignette numérique sur une plateforme qui mesure 3 cm. Tu vois. Et c'est ça. Oui,
Oui, carrément. Aujourd'hui, effectivement, même pour le vinyle, il faut être assez innovant, quoi. Il faut arriver à trouver Exactement. des formats, et puis il faut travailler ses visuels, évidemment. Ça paraît con, C'est ça, mais si on veut faire du physique, il faut le faire bien, en fait. Sinon, ça n'a plus d'intérêt, ou alors c'est un intérêt beaucoup plus limité, mais l'intérêt du physique, c'est justement une valeur ajoutée sur l'objet. Donc, nous, ce qu'on conseille, en tout cas, en distribution chez Cournéco, c'est de faire des beaux objets, quoi. Et justement, dans le top objet, c'est quoi qui se fait? Tu veux dire en vinyle ou CD ou tout Non, ça? justement, le top des objets, est-ce que vous faites aussi, ben vous développez d'autres, vous faites que de la fabrication de disques ou vous pouvez éventuellement Non, aussi. on fait aussi du merch, ouais, bien sûr. Après, ce n'est pas notre activité principale, mais finalement, on a des fois des. Tu vois, tout à l'heure, on discutait de stratégie avec même des Polaroids, tu vois, faire des Polaroids des artistes, les intégrer dans les pochettes, parce que tout est possible aujourd'hui quand on vend sur une e-boutique. Donc, on réfléchissait à ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que les demandes les plus fréquentes, ça reste quand même, tu vois, des casquettes, des t-shirts. Des tote bags et des mugs. Ouais, tote bag, bien sûr, à fond, le tote bag, il est ultra important. Les autocollants aussi, tu vois, ça, on en a. OK. On a des très très beaux autocollants qui sont arrivés encore là au bureau. Il y a plein de. Tout est possible. Après, parfois, on a des demandes un peu farfelues. Et c'est intéressant aussi d'aller voir si on peut le faire, quoi. Non, mais Mais c'est toujours. voilà. Ouais, pardon, vas-y. Non, mais le vinyle en lui-même, déjà, est vraiment un objet tu vois, iconique et qui amène à ce que les gens parfois se concentrent aussi sur justement ce vinyle comme leur merch, tu vois, qu'à la fois l'objet musical et le merch. Il a un Alors, petit peu les deux casquettes. après, on est d'accord que sur la distribution digitale, donc on demande quand même à l'artiste ou au label de faire un travail lui aussi de promo de son côté, et notamment via un ou une attachée de presse, hein. Exactement. En fait, il y a deux promotions quand parfois les. C'est vrai que c'est important de bien montrer les différences. C'est que nous, on s'occupe de la promotion commerciale. En tant que distributeur, c'est-à-dire que c'est la promotion qui va consister à vendre, enfin, en gros, à vendre aux enseignes les produits pour qu'ils les commandent et que eux, derrière, ils les mettent en rayon, etc. Donc, c'est vraiment un travail de promotion commerciale. Et puis après, il y a la promotion grand public, l'attaché de presse, la relation, la RP, quoi, la relation presse, la relation Ah ouais. publique, qui, lui, va avoir un métier de faire que les clients viennent acheter dans le magasin. Donc, on va pas s'adresser aux mêmes personnes, en fait. Et c'est par contre ces deux activités commerciales sont ultra complémentaires et l'une ne peut pas réellement fonctionner sans l'autre. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on fait de la promotion commerciale, on va tout à fait utiliser les résultats qu'aura obtenu un attaché de presse pour défendre justement auprès des enseignes, que ce soit Deezer, tu vois, ou Spotify, ou la Fnac, ou les balades sonores. On va utiliser tout ça pour justement essayer d'être mieux représenté en playlist ou en rayon, voilà. Oui, parce que le nombre de streams, il sert pas juste ou il sert pas que à se la péter avec ses potes en disant, même si c'est difficile de se la péter vu les rémunérations aujourd'hui, mais bon, on sait jamais, hein, on s'habitue à tout. Donc ça sert pas qu'à ça, ça sert aussi, c'est un argumentaire commercial et qui peut être Exactement. important pour les distributeurs et notamment pour le playlisting et pour la mise en place en distribution physique. C'est vrai que si un mec commence à streamer, on peut se dire bah tiens, ça peut aussi marcher en physique, même si c'est pas sur des millions d'exemplaires, mais en tous les cas, on peut placer des dizaines Non, mais d'exemplaires déjà carrément, bien sûr. dans des stores, quoi. Bah, absolument. Et d'ailleurs, le nombre de streams aujourd'hui, c'est pour ça qu'effectivement, il y a une course au stream qui est pas toujours super, tu vois, parce que ça sous-entend qu'il y a peut-être des tricheurs, ça sous-entend que aussi on va se concentrer parfois sur les plateformes comme YouTube et Spotify qui indiquent le nombre de streams, alors que c'est pas toujours les plateformes en tout cas, c'est les plateformes les moins rémunératrices, donc c'est pas toujours les plateformes les plus intéressantes. Mais le nombre de streams peut aussi indiquer tout simplement un playlister radio, ben, ça va lui indiquer un petit peu, ben, effectivement, si des gens viennent l'écouter sur cette plateforme, ben, ils seront heureux de l'écouter, ils seront enclins en tout cas à l'écouter sur ma radio, quoi. Et du coup, la radio va aussi déclencher des ventes physiques. Enfin, il y a vraiment un écosystème entier qui est repensé, qui évolue tous les jours, mais qui fait qu'un truc positif va amener du positif, etc.
Mais c'est vrai que pour les artistes qui s'imaginent que ça dit c'est de moins en moins, hein, parce que je le vois même dans le cadre de mes formations et tout, je crois que les artistes commencent à comprendre, bah, de toute façon ils viennent me voir parce qu'ils se sont rendus compte qu'il ne se passait rien. Mais c'est vrai que il faut arrêter de penser que voilà, je sors mon titre et ça y est quoi. En fait, non seulement il faut une stratégie, mais quand vous sortez, il faut des relais, quoi. C'est-à-dire que vous, c'est un Oui. relais. Mais c'est un relais. Et c'est vrai que d'ailleurs, il ne faut pas négliger son self-community management, c'est-à-dire faire la pub sur ses Exactement. réseaux, etc., etc. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est quand même qu'il y a le relais non seulement du commercial, c'est-à-dire les stores et puis les plateformes digitales, mais aussi et surtout, je dirais, enfin, surtout, tout est complémentaire. Donc, en fait, il y a rien de surtout. La promo classique à papa avec Bien WebPress, sûr. radio-télé, quoi. Enfin, déjà, WebPress, c'est déjà pas mal, Bien même pour le sûr, coup. ouais. Et puis il y a le marketing, ce que tu évoquais sur les réseaux sociaux, et c'est aussi lié au marketing, tu vois. Et le marketing, c'est l'achat d'espace, Facebook, voilà, c'est ça exactement, tu vois, l'achat d'AdWords sur YouTube, des posts, des publications sponsorisées sur Instagram, sur tu vois, dans les stories, etc. Enfin, il y a même ça, en fait, il faut vraiment le prendre en compte parce que c'est extrêmement important. Et ça rentre de plus en plus dans les, tu vois, dans les usages aujourd'hui. Ça faut pas que ça remplace justement la promo à papa dont tu parlais, mais la consommation des gens actuels fait que ben, parfois c'est plus fort, quoi. Quand on est un artiste, en tout cas en devenir, voilà, au début, je pense c'est plus rentable même tu vois, d'investir en marketing au début, ce qui t'est en train peut-être de trouver, enfin d'être qu'un attaché de presse s'intéresse à toi plus facilement ensuite. Mais voilà, il y a plein d'étapes à respecter. En fait, c'est un cercle vertueux, c'est ça, c'est que à force d'intéresser des gens, ben, il y a le phénomène de bouche à oreille, on voit le projet qui tourne. C'est vrai que c'est un peu con, mais on est tous des moutons, et c'est vrai que plus on voit le projet cité par des personnes plus ou moins importantes, et puis ça monte et ça monte, et il y a un effet organique, et on se dit, ben, tiens, voilà, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de m'y intéresser. Mais c'est vrai que moi, je vous conseille toujours, on l'a reçu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, l'excellent podcast de Joseph Daugnot, je ne sais pas si tu connais, mais je te conseille vivement, ça fait 1 an et demi, c'est No Pay No Play. Et en fait, c'est un podcast qui parle de la pub. Alors, c'est très ciblé, hein, c'est OK. les Facebook Ads. Facebook et Instagram, D'accord. évidemment, hein, puisque les deux sont liés. Mais en Bien tous les sûr. cas, voilà, si vous avez peu de budget, sachez qu'une promo Facebook, ça commence, alors on dit 1 euro, mais je dirais plutôt 5 euros par jour. Ouais. Et en fait, avec 5 euros, on a déjà des résultats, même si c'est pas forcément magique. Mais voilà, si vous avez 10 euros, c'est encore mieux et plus. Mais en tous les cas, c'est ce qui est intéressant avec Facebook, je trouve, c'est que c'est pas forcément très cher dès le début et ce qui compte, c'est pas forcément le montant que tu mets, c'est souvent la pertinence de ta pub. Ouais, Et il faut que tu le bon cibles, par c'est clic, super quoi, ouais. important de cibler. Ouais. Et du coup, il y a des agences aujourd'hui qui existent. Nous, on est encore en phase de recrutement. On a recruté 2 personnes là de ce mois-ci, puis on va recruter une nouvelle personne justement, certainement à la rentrée sur ce côté marketing, etc., pour pouvoir proposer justement encore dans l'idée de développer les services du distributeur, de proposer les services de marketing à nos clients, quoi, à nos labels. Bah, c'est vrai que le marketing, c'est un mot qui peut apparaître un peu barbare et qui peut sembler s'éloigner de l'artistique, mais c'est vrai que les artistes qui me contactent, je vois de plus en plus, ils ont conscience de ça et ils se rendent compte que voilà, c'est un projet, et même le meilleur projet du monde, c'est important, c'est même la base, hein, il faut pas oublier la musique et Ça, l'image. Ça, c'est le ouais, top du top, évidemment, et sans ça, il n'y a rien derrière. Mais si on rajoute pas les couches marketing promo derrière, malheureusement, Exactement. ce qui a été fait avant, voilà Bien quoi. sûr, il faut savoir se faire entendre, sans que, et ça remet aucunement en question la qualité artistique d'un projet, de vouloir se faire entendre et se faire découvrir par un maximum de monde. Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent d'optimiser tout ça, autant en profiter, quoi. Ouais, exactement. Et donc dans la distribution digitale, donc bon, alors il y a quand même de nombreux acteurs, pas tant que ça, enfin des acteurs sérieux, pas tant que ça, on va dire. Donc il y a, on peut citer peut-être The Orchard, qui est maintenant, je crois, chez Sony. Ouais, bien sûr. Il y a évidemment Idol, il y a évidemment bon Believe, mais je crois que vos tuyaux, ils Believe. passent par Believe, hein. Ouais, Believe est tout à fait Voilà. notre logisticien Voilà. numérique depuis même la création de Couronneco. Donc, Bon, c'est une très Believe, bonne voilà, solution. on les cite plus. Et voilà, après, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça. Et effectivement, il faut bien faire la différence entre distributeur et agrégateur. Agrégateur, il y en a beaucoup, hein, pour le coup. Je dirais, il y en a peut-être autant, cela Ouais, dit, mais en tous les cas, agrégateur, il y en a beaucoup aussi.
Il y en a, ouais, les agrégateurs, c'est souvent plus étranger, en fait, les agrégateurs français, je crois qu'il n'y en a pas, en fait, hein, parce que c'est interdit par la loi. Enfin, en gros, souvent, on est obligé de se, les boîtes se basent à l'étranger pour respecter des lois où il y a des territoires comme l'Angleterre où sur les droits d'auteur, c'est une façon différente de le gérer, etc. Après, il y a Tunecore qui appartient à Believe Digital, mais qui est à l'origine Oui, le une siège boîte était à américaine. Boston, par exemple. Donc, je sais que le siège était à Voilà, Boston parce exactement. qu'on avait bossé avec eux et je sais que c'est voilà, Ouais. c'est les Américains qui pilotent un peu le truc, quoi. Exactement, ça a été racheté par Believe et ils ont fusionné avec Zimbalam. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est plus une plateforme peut-être finalement américaine dans la gestion. Il y a des Suisses, je sais, avec iMusician. Il y a vraiment de partout. On peut en trouver avec des solutions très différentes. Un résultat qui est un petit peu le même, qui n'est pas le résultat d'une agrégation, quoi, pas d'une distribution. Ouais, après il y a les services aussi label services un peu donc dans les labels, il y a Also chez Sony, Ouais. on pourrait mettre même si je les mets vraiment à part Initial chez Universal mais Initial Artist Services mais eux c'est un compromis entre plein de choses et Ouais, très on se efficace hein, rapproche parce quand même qu'ils ont sacrément du label, quoi. Mais ouais voilà. effectivement, parfois on change le nom, mais derrière, en gros, c'est des contrats de licence en fait, avec un Ouais, parce autre que ce nom, qu'on quoi. comprend pas toujours, c'est ça, c'est que il y a distributeur, il y a label services, artist services. Bon, Ouais. elle est où la nuance? C'est pas évident. Ouais. Non, carrément, c'est souvent des noms un petit peu qu'on utilise dans le jargon, mais qui ont dit, enfin voilà, c'est une nouvelle façon de dénommer un contrat, quoi. Qui est souvent soit Ouais. un contrat d'artiste, soit un contrat de distribution, soit un contrat De licence. de licence. Hein. C'est voilà. Après, il peut y avoir des curseurs différents, mais en général, c'est quand même ça les trois systèmes, quoi. Ouais, exactement. Justement, comment vous arrivez quand même à faire la différence, je dirais même commercialement par rapport aux autres distributeurs, comment est-ce que vous avez un angle particulier, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, comment vous vous Oui, présentez par rapport aux autres? bien sûr. Alors, nous, on a, alors, éditorialement, on a, en fait, on a deux branches. On a une branche qui s'appelle Couronne Echo, qui est vraiment sur la musique, très, enfin, on est généraliste, quoi. On peut avoir à la fois du reggae, comme de la pop française, comme, je sais pas, tu as du hip-hop, etc. Et à côté de ça, on a une autre marque qui s'appelle Chat Noir. Couronne Echo veut dire chat noir en japonais. Et sur Chat Noir, on est sur vraiment de la. Voilà, tout simplement. Et on est sur Chat Noir sur de la musique électronique de niche. Ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire de la house, de la techno, de la minimale et plein d'autres styles. Voilà. Donc éditorialement, on a séparé ces deux choses qui vont être travaillées très différemment parce que les musiques de niche vont vraiment avoir besoin d'un ciblage extrêmement précis. Ce qui est quand même beaucoup moins le cas sur des musiques grand public où on peut se permettre de taper plus fort. Et sur plus de monde, quoi. Donc ça, c'est notre éditorialement, c'est ça. Après, comment on se distingue d'autres distributeurs? On signe beaucoup moins de labels. En fait, comme je te disais tout à l'heure, qu'on avait à peu près 500 labels en distribution, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très peu par rapport à des boîtes comme Idol ou Believe, etc. Oui, bien sûr. Ou Orchard, c'est vraiment, ça n'a aucun rapport en fait en termes d'échelle. Après, ça ne veut pas dire que quand on a un catalogue gigantesque, tous les labels sont actifs, évidemment. Mais voilà, nous, on a décidé de signer moins de monde et d'amener finalement un suivi plus important. On va vraiment être une sorte d'épicerie fine où on va pouvoir amener des services à des labels qui sont même parfois encore avec des artistes en développement et leur permettre d'avoir des playlists très rapidement. On va essayer de toucher, enfin de travailler en tout cas des plateformes aussi qui sont. Qui sont pas les trois énormes, tu vois, qu'on connaît, Deezer, Spotify et Apple Music. On va évidemment les travailler, elles sont super importantes et elles représentent la majorité de notre chiffre d'affaires en numérique, mais on va aussi beaucoup travailler des plateformes comme Napster, comme Qobuz, comme Tidal, etc., qui vont avoir parfois un éditorial encore plus fort et puis qui vont avoir une rémunération bien supérieure, ce qui va permettre aux artistes, dès le début, d'avoir un minimum de matelas de revenus pour pouvoir ensuite investir peut-être sur une promotion, etc., qui leur permettra d'atteindre des nouveaux niveaux de playlist, quoi. Oui, ce qu'il faut Donc, savoir, c'est qu'effectivement, les niveaux de rémunération ne sont pas les mêmes en fonction des plateformes. Bon, ça ne se joue pas toujours à beaucoup, mais quand même, bon, c'est vrai que peut-être à bah, 5-10% quand près, on va même, dire. Ouais, non, 5-10% c'est plus près. que ça parce que, tu Ah vois, ouais? alors, il y a une vraie différence gigantesque entre YouTube et toutes les autres plateformes. Voilà, ouais. Qui est énorme, on est sur des 10 fois plus, etc.
Après, la plateforme qui paye le moins bien, c'est Spotify. C'est aussi la plus grosse plateforme, hein, au niveau mondial. Pas en France où c'est Deezer la plus grosse plateforme, mais au niveau mondial, c'est vraiment Spotify qui est 10 fois au-dessus des autres, quoi. Et du coup, elle rémunère quand même 4 fois moins bien qu'un Napster, tu vois, à peu près. Donc, il y a quand même une vraie différence, hein. Si tu fais 100 000 streams sur Napster, c'est comme si tu en faisais quand même 400 000 sur Spotify à la fin du Ok, mois. je pensais pas autant, ouais. Et même Deezer, tu vois, ou Apple Music, rémunère à peu près 2 fois et demi mieux que Spotify. Et Alors, le Deezer, grand débat, c'est 30%. c'est... Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé sur la fin. Non, non, t'inquiète. Et je disais, voilà, Deezer et Apple Music sont quand même des plateformes avec énormément d'audience, où il y a des vraies playlists très suivies, etc. Et elle rémunère 2 fois et demi mieux qu'un Spotify. Donc c'est important, tu vois, quand un artiste il sort ses titres, qu'il réfléchisse à, bah, en fait, un écosystème global avec un mélange de streams avec chaque plateforme qui compte un peu, quoi. Et pas se dire, bah voilà, j'ai fait ce nombre de vues sur mon clip et j'ai fait ce nombre de streams sur Spotify juste parce que c'est écrit quand je me connecte, quoi. Il faut vraiment essayer d'aller plus loin. Et puis c'est pas les mêmes personnes parfois qui écoutent sur YouTube et celles qui écoutent, tu vois, sur un Deezer ou un Apple Music. Tu vas avoir vraiment des playlists éditoriales qui n'existent que sur certaines plateformes. Tu vas aussi avoir des vraies différences éditoriales entre les plateformes. Enfin, il faut vraiment réfléchir à tout ça, essayer de trouver les forces de chaque plateforme et coller ton projet à ça, quoi. Mais Florian, tu trouves que c'est raisonnable, toi, de décocher des stores quand tu fais ta distribution ou même quand tu passes par un agrégateur? Parce qu'on me la pose souvent, cette question. Je ne sais plus combien il y a de plateformes, il y en a plus de Ouais. 200, non, dans le monde. Est-ce Non, qu'on ça décoche des n'a plateformes et des territoires? Est-ce que non, ça se ça n'a fait? aucun sens. Alors, À décocher le aucun sens, territoire, on est d'accord. décocher le territoire, ça a un sens si par exemple il y a une licence dans certains territoires, tu vois, ou Oui. si tu comptes, voilà. Ça, oui. Par contre, décocher des plateformes, ça n'a vraiment aucun intérêt, hein. Ok, Euh, on est c'est euh, d'accord. c'est juste que, en gros, le gâteau, c'est le même au final. Il faut que tu vois comment il est réparti à la fin, mais tu feras pas. En tout cas, c'est sûr, c'est que tu ne feras pas plus de stream en étant disponible sur moins de plateformes. Ça, Ouais, il n'y c'est a ça, aucun parce problème. que il y a eu à un moment donné cette espèce de truc là, de se dire ah bah non, je coche pas tout parce que je veux que mes vues se concentrent, etc. Mais à un moment donné, c'est comme je veux pas être sur YouTube ou je veux pas être sur Facebook. Moi, je veux bien, mais c'est un peu compliqué, quoi. Il y a quand même un peu des millions d'utilisateurs sur chaque plateforme, quoi, voire des milliards. Oui, mais bien sûr. Et puis aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup de plateformes, évidemment, les plateformes audio, donc c'est le cœur de métier, et puis les plateformes vidéo ou les plateformes hybrides. Mais aujourd'hui, les revenus, ils viennent et ils viendront aussi d'autant plus des réseaux sociaux. Tu vois, TikTok rémunère aujourd'hui les ayants droit, Facebook et Instagram aussi. Il y a plein de nouvelles façons aussi, tu vois, de développer à la fois une image et une notoriété sur les réseaux, et en même temps, finalement, de générer des revenus, en tout cas de les piloter vers d'autres plateformes, etc., qui vont permettre de te rémunérer. Donc, c'est vraiment des choses complémentaires. Il faut voir, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un ensemble avant tout. Et les médias donc classiques, évidemment, voilà, après ça c'est attaché de presse, et évidemment ça a toujours son intérêt, même si radio et télé pour des artistes en développement, ça reste toujours un peu chaud quand même. Ouais, c'est ça. Oui, alors après, ce qui est dur, c'est d'obtenir, en fait, tu Bah vois, ouais. ces placements à la télé. Là, ça, c'est parce que quand tu dis ça, c'est super. Ce qui est dur, c'est effectivement de les obtenir. C'est peut-être de plus en plus dur parce que il y a de plus en plus d'artistes qui sortent des. La création, elle est incroyable, hein. Il y a toutes les semaines, il y a des milliers, des dizaines de milliers de titres qui sortent, de nouveaux artistes qui éclosent. Mais par contre, les places en télé, en radio, en presse, qu'elles soient papier ou qu'elles soient numériques, eh ben, il y en a plutôt moins qu'avant. Donc, parce que finalement, tous ces médias, ils évoluent aussi, ils sont peut-être moins suivis, ils réduisent la place qu'ils attribuent aussi à la musique, parce que c'est plus un marché qui est aussi important qu'avant, même si on est en croissance forte depuis 4 ans. Voilà, ça va revenir petit à petit. Mais bon, en tout cas, ouais, ce qui est dur, c'est d'obtenir tout ça. Après, aujourd'hui, obtenir un article, tu vois, dans les Inrocks, ça n'aura pas la même retombée que ça pouvait avoir il y a 15 ans. Faut être conscient de ça aussi, que ce qu'on appelle la transformation, tu vois, le nombre de gens qui vont finalement lire cet article, puis se mettre à écouter le disque, à l'acheter, etc. En fait, c'est assez bas.
on se rend compte, tu vois, aujourd'hui que pour qu'une promotion soit vraiment forte, il faut qu'elle soit sur plein de, il faut qu'elle touche plein d'endroits différents et qu'ils vont finalement une petite part de chacun va revenir vers tu vois une écoute, etc. Ouais, voilà, et c'est pour ça que je te disais aussi que l'importance du marketing, qui du coup est beaucoup plus ciblé par définition, vu qu'on paye pour un ciblage, est important et tout à fait complémentaire d'une promotion globale qui va te permettre d'être découvert d'un public qui ne te connaît pas aussi actuellement, quoi. Tu aurais des bonnes pratiques un peu pour un artiste qui veut, j'imagine, t'en reçois plein pour qui veulent bosser ouais. avec vous. Et donc, c'est quoi un peu les premières étapes que tu conseilles ou même les choses dont tu aurais besoin qu'il n'y a pas? Enfin, bref, un peu ton résumé de la situation par rapport aux newcomers qui voudraient sortir généralement un EP, quoi. Ouais, alors, nous, on travaille quand même plutôt avec des labels, tu vois. Mais les labels finalement va faire aussi ce métier, tu vois, de formation. La première chose, c'est déjà effectivement d'avoir des outils de communication. En fait, la première chose qu'on va regarder quand on signe quelqu'un, même quand on signe un label, on va regarder les artistes qui a dans le label, évidemment. Et du coup, ce qui va nous guider, ça va être effectivement comment les réseaux sociaux sont tenus. C'est bête, hein, tu vois, mais c'est ça. C'est effectivement, est-ce que on sent qu'il y a quelque chose, si tu vois, un attrait, est-ce qu'il y a un attrait du public pour cet artiste? Est-ce que on voit qu'il y a des streams ou pas? C'est bête, hein, mais c'est la réalité, tu vois. Est-ce qu'il y a des vues? Est-ce qu'il y a des streams, etc. Nous, on a des moyens de le voir sans uniquement regarder YouTube ou Spotify. Il y a plein de choses qu'on va regarder comme ça. On va voir aussi si effectivement il y a beaucoup de gens qui réagissent aux posts sur Facebook, sur truc. Et puis, si c'est des artistes qui ont sorti des choses avant, on va regarder leur historique, tu vois. Leur historique de vente, leur historique de promotion. En fait, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Mais effectivement, le truc de base, c'est quand même d'avoir des réseaux sociaux bien tenus. Un site internet, si on en a un. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont presque devenus les sites internet des gens. Hein. Et puis aussi des pages sur les plateformes bien tenues. Donc, tu vois, quand tu te connectes à une page sur Deezer d'un artiste et que tu vois que la moitié des sorties, elles lui appartiennent pas vraiment et qu'il y a eu une fusion de métadonnées et qu'en fait c'est pas du tout lui, que la photo, ça représente un autre artiste, que tu vois, il y a pas de playlist reliée, il y a pas d'actualité et tout. Bon, ça c'est moins engageant en tout cas qu'un artiste qui va avoir pris du temps, un artiste ou un label, hein, qui va avoir pris du temps pour nettoyer tout ça et pour arriver avec quelque chose de solide pour défendre le projet, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'agrégateur, le distributeur digital, il prend un pourcentage. Bon, moi, j'ai l'habitude de dire entre 20 et 30%, hein, c'est tout est négociable, mais après, il y a des taux d'usage, on va dire 25 si on veut être gentil sur le. Ouais, sur c'est la des moyenne. Taux assez bas, hein, quand même, hein, parce que, en gros. Bah, ça dépend de le taf que tu fais, ouais, en tant que distributeur. Ça dépend du taf que tu fais, exactement. Une agrégation, aujourd'hui, bon, ça n'existe plus trop les agrégations à pourcentage, mais c'est souvent des agrégations avec des pourcentages autour de 5 ou 10%. Et une distribution, ça peut vraiment varier énormément. En fait, tu vois, un mec qui a un taux à 20%, quand même un label qui a déjà à part si ton distrib juste fait de l'agrégation déguisée, un label qui a un taux à 20%, c'est un taux très bas, en fait. Hein. C'est un label qui va déjà générer plusieurs milliers d'euros, tu vois, tous les trimestres, tous les mois, etc. De toute façon, peu importe le taux, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, toi, tu fonctionnes au pourcentage. Donc, en fait, évidemment, il faut que tu choisisses bien, c'est pas une science exacte, mais disons qu'il faut vraiment que tu choisisses tes clients avant de les prendre, parce qu'ensuite, toi, tu bosses comme un manager, donc en fait, s'il y a zéro, il y a zéro, quoi. Donc évidemment, c'est pour ça que ceux qui se demandent pourquoi c'est difficile de trouver une distribution, il y a ça aussi, quoi. Ben ouais, tu vois, nous, quand on signe un label, c'est parce qu'on a envie d'engager du temps dessus. Et derrière, nous, on a une quinzaine d'employés à payer à Paris et on a une centaine de personnes qui travaillent à l'usine, tu vois. Donc, ces gens-là, il faut bien qu'ils soient payés à la fin du mois. Si on passe notre temps à travailler sur des artistes qui ne vont pas rapporter d'argent, eh ben c'est pas intéressant pour le distributeur, tu vois. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les agrégateurs ont été créés. Hein. Là pour le coup, ils ont été créés parce que les distributeurs pouvaient pas embaucher des gens à l'infini et traiter les sorties qui de toute façon n'auraient pas de visibilité. C'est pour ça que les agrégateurs ont été créés, qui sont juste des robots où du coup il y a pas d'employés ou très peu, et ce qui permet d'avoir une rentabilité supérieure plus facilement, quoi. Ouais.
C'est vrai que il faut bien comprendre cette notion, effectivement, cette nuance entre le fee que tu payes et puis ou parfois un tout petit pourcentage et effectivement 5-10%, mais c'est très faible. En généralement, tu récupères 100% de tes royautés, mais là où il n'y a aucun boulot de promotion. Et puis Bien le sûr. distributeur qui l'a fait bosser des employés, effectivement, et qui est censé démarcher le projet auprès des services, on va dire, commerciaux pour mettre en avant. Et ça, c'est vrai que bah, déjà, tu peux pas en avoir 12 milliards de projets, c'est ce que tu disais sur les 500 labels Et distribués oui, qui bien sont pas sûr. toujours tous actifs, évidemment. Et après, Bien comme c'est un sûr. pourcentage, bah, faut qu'il y ait un potentiel. Ouais, c'est évident qu'il faut qu'il y ait un potentiel. Ouais. Même si c'est Voilà, pas une science exactement. exacte, hein, on est d'accord que c'est pas une science Bien exacte, sûr, bien donc. sûr. Nous, il nous arrivait de signer des artistes qui partaient de rien, mais ou même artistiquement, on disait, ouais, putain, c'est vraiment bien ce qu'ils font, et on a envie de bosser avec eux, et peut-être qu'on va perdre de l'argent au final, hein, parce que en termes de temps qu'on va passer dessus, bah, peut-être que ce sera pas rentable. Mais il y a quand même toujours la prise de risque qui est vraiment une des notions principales de l'industrie musicale, hein. C'est toujours une prise de risque. À part le fonds de catalogue, on fait partie des industries qui engagent le plus de leur trésorerie dans justement du développement d'artistes et du coup une prise de risque. Non, ce que tu dis, ouais, effectivement, c'est du de votre côté, ça reste du commercial, hein, en grande partie. Et donc, effectivement, si tu crois pas au projet ou au produit, on pourrait dire, c'est compliqué d'aller le vendre, tout comme une attachée de presse, aussi bonne soit-elle, ou un, hein, d'ailleurs. Et ben, s'il croit pas au projet, c'est compliqué de, parce que toi, en fait, il faut qu'effectivement tu sortes les meilleurs arguments pour que la promotion se fasse, quoi, auprès des plateformes, C'est notamment, ça, quoi. bien sûr, exactement. Sachant que vous êtes loin d'être les seuls à pitcher les plateformes pour les nouveaux titres. Donc, Et oui, ce qui est, c'est sûr. et je suis toujours Ce qu'il surpris faut, d'ailleurs du c'est sortir nombre. son épingle du jeu, quoi. Ce que je suis toujours Ouais. surpris, c'est le nombre de, on appelle ça les éditos, donc qui sont les programmateurs de playlists, qui sont souvent 4 ou 5 par plateforme, quoi. Donc, Ouais, 4 c'est ou 5 chez ça. Spotify, 4 ou 5 chez Deezer. Tu te C'est dis, ça. mais ok, bon, faut Tu tant te dis, d'oreilles, tant de ouais, c'est. cerveau disponible, donc c'est pas des super-héros, quoi. Exactement, et du coup ça amène à des relations, tu vois, même nous qui avons les relations, enfin les distributeurs qui ont des relations les plus censées être les plus proches, tu vois, avec les éditos, les éditeurs, etc. Et ben au final, souvent on envoie des mails et des newsletters, etc., qui sont sans réponse. Et qui ça ne veut pas dire que derrière il n'y aura pas une playlist, mais c'est des. Mais tu vois, les éditos sont tellement surchargés et tellement dans un travail quotidien énorme, que, eh ben, finalement, effectivement, c'est, tu vois, on n'a pas de réponse, et au final, on a une réponse une fois sur deux, tu vois, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, et ça, c'est dû, effectivement, au trop peu, je pense, d'employés, qui travaillent là-dessus, quoi. Tiens, je t'entends plus. Je pense Ah, que c'est tu me... Voilà, c'est bon, je suis revenu. Donc, bon, t'es revenu. j'ai plus mes oreillettes, mais bon, a priori, on entend aussi bien. La technique. D'ailleurs, on en est loin, hein, de la technique. Finalement, chaque fois que je fais un live, je me dis, on est loin de tout se connecter à la fibre avec le son HD et l'image en 4K, hein, quand même, hein. Donc, en digital, Ouais, bon, on est loin de ça. Hein. ça viendra peut-être un jour, ouais. Ça viendra certainement, mais bon, chaque chose en son temps. Parfaitement. Et puis on a légèrement une petite crise à régler aussi. On n'en a pas trop Ouais. parlé, mais on en parle de moins en moins parce qu'on a envie de rester de bonne humeur. Mais la Ouais. distribution digitale, ça a quand même continué puisqu'il y a quand même eu des sorties, hein, pendant le confinement. Ah bah nous c'est très clair, hein. On a eu des décisions difficiles à prendre au moment du confinement. On avait beaucoup de sorties, tu vois, la période mars, avril, etc. Bah C'est oui, quand même une période carrément. dans la musique où il y a beaucoup de sorties. Et on a décidé ou non à chaque fois si on devait reporter totalement, en partie. Voilà. Et du coup, finalement, on a décidé de peu reporter nos sorties, de les sortir en numérique, voilà, au moment prévu, et puis en physique, un petit peu plus tard, quoi. Donc ouais, on a eu moins 80%, hein, notre chiffre d'affaires sur physique sur cette Ah ouais, période, quand moins 80%. Et même sur le numérique, et ben au final ça a baissé, hein. Pour ça, t'as déjà dû avoir ce retour, j'imagine. Mais même. tous les scripts, toutes les plateformes te diront que il y a eu une baisse qui est due notamment au fait que les usages des gens ont changé, et que tu vois le streaming qui représente 85-90%, tu vois, des revenus en digital aujourd'hui. Eh ben, le streaming, il est lié à des usages. Et les usages, c'est en général, tu écoutes ta musique sur ton téléphone quand tu vas au travail, quand tu es dans le métro, quand tu es tout ça, ou quand tu es dans le bus ou dans ta bagnole. Et ça n'a plus existé du jour au lendemain. Et du coup, c'est très drôle parce qu'on a vu, tu sais, pour piloter tout ça, on a des courbes qui nous montrent quel jour on fait des streams et tout.
Et les courbes qui d'habitude sont droites la semaine et montent le week-end, et ben là, elles étaient droites tout le temps, tu vois. Donc voilà, donc c'était assez marrant. Au final, tout va bien, on a rattrapé, plus que rattrapé même certaines pertes sur le numérique, ça a tout à fait reparti sur le physique. On rattrape très très fort ces derniers temps. Pareil dans la fabrication, ils sont évidemment liés hein, tous les deux. Donc tout va bien et on espère juste qu'il n'y aura pas une deuxième crise à la rentrée, quoi. C'est juste, voilà, on croise les doigts, mais on travaille comme s'il n'y en avait pas. Ouais, comme tu dis. Bon, en tout cas, Florian, bravo, merci beaucoup pour toutes ces Merci à explications. toi, hein. Écoute, que te dire, de souhaiter le meilleur, un bel été, puisqu'on est quand même en été. Oui, la température, enfin, le ciel ne le montre pas, mais oui, on est quand même mi-juillet déjà, C'est chaud à effectivement. Paris? T'es pas à Paris, toi, du coup? Non, je suis pas à Paris, je suis en Normandie là. Eh ben, il fait pas très beau, il fait lourd, tu vois. Il doit faire, Ok. je pense qu'il fait 23, 20, 23 degrés, quelque chose comme ça. Ok, parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes les explications. Merci à Toutes toi. les infos, vous retrouvez sur Couronneco. Il y a un mail de contact en général Ouais, qui est alors tout simple. simplement, c'est Hello. hello@couronneco-media.com. Donc, Donc je vous vous le pouvez le mets en trouver sur nos réseaux commentaire. sociaux. Voilà, très bien. Ici, C'est ça. hello@couronneco-media.com. Effectivement, j'imagine que vous les relevez régulièrement, puis Bah, écoute, d'envoyer, si, j'imagine, on regarde tous les voilà, jours. le projet, les demandes, et puis voilà. Et puis il y a des êtres humains qui vous répondent derrière, ce qui est quand C'est même pas ça. négligeable Ah non. à l'époque du En digital. 2020, ouais. Pas mal. Super. Merci beaucoup, Allez, Florian. À très bientôt merci dans à la vraie toi. vie. Je te Salut. souhaite une très Bye. bonne journée. À plus. Merci, toi Ciao. aussi. Bye, Au revoir. ciao. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec Florian Dubreuil, donc de Couronneco. Joe s'énerve déjà. Que vous dire, que vous dire? Eh bien, je me perds dans mes affichages. Voilà, j'y suis. Donc, vous retrouverez évidemment cette discussion sur la chaîne YouTube, donc de l'atelier de Cédric, ou bien elle continuera à tourner sur Facebook. En tous les cas, on continue cette semaine à peu près normalement. On se retrouve demain, jeudi, avec Pascal Lemaire, aka Scalp, donc le réalisateur Scalp, compositeur, etc., etc., pour parler évidemment compo, musique, réalisation, etc., etc. Et on va parler festival. On a eu pas mal d'invités de festival, mais on continue vendredi 17 avec Pierre Poli, qui est directeur artistique au Franco de La Rochelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous réécouter sur YouTube. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Bye bye.